Et salut à toutes et à tous, c'est Blitster. Et oui, ça fait un moment qu'on ne s'était pas retrouvé, mais mes vidéos sont assez aléatoires en ce moment, j'ai envie de dire, voire pas du tout, hein, parce que du coup, ce dernier mois, ça a été compliqué, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais bon, ça fait du bien de revenir sur Dokkan Battle en voyant qu'il y ait du contenu, parce que, faut dire, c'est déjà la raison principale. Pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo sortie quasiment pendant un mois, hein, voilà. Même s'il y avait eu des trucs à faire, mais je trouvais ça pas pertinent de les faire moi en vidéo ou de les faire en live. Donc là, nous nous retrouvons pour du concret et pas des moindres vidéos news sur Dokkan Battle. Et nous avons des choses à dire, tout simplement. Donc, les amis... Nous allons commencer déjà par la célébration, hein, tout simplement, voilà. Envol vers l'espace Dokkan Campagne, donc du coup pour la Golden Week, hein, voilà, tout simplement. La célébration dure un mois environ, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pendant 2 jours déjà, on commence bien. Pendant 2 jours, il y a juste à se connecter, on récupère 2 DS pendant toute la durée de la célébration. Donc ça fait une... ça fait quoi? Ça dure environ une vingtaine de jours. Ça va faire dans les 40 DS. Donc du coup, voilà. Après, voilà, je ne vais pas m'amuser à compter toutes les DS. Hein. J'ai recherché à peu près ce que nous avons. Nous avons environ 250 DS. Ou en comptant on va le voir par la suite. Hein, les nouveaux Battlefield. Extreme Super Battle Road, du coup, ou sinon, sans ça, nous avoisinons environ les 200 DS. Donc voilà, nous avons quoi d'autre? Les missions spéciales, donc du coup, voilà, limitées, hein. C'est pas très très compliqué comme d'habitude. Les soldes qui sont pas dégueulasses pour les cash players, franchement, il y a de bons packs, surtout le pack D. C'est ça? Non, le pack E. Ouais, le pack E qui est vraiment intéressant pour ma part. Donc voilà, bon, je ne compte pas cash play, hein, voilà, sur cette célébration-là non plus. Hein, voilà pourquoi il n'y a pas eu grand-chose le mois dernier, hein, parce que j'avais déjà prévenu auparavant, mais je ne sais plus dans quelle vidéo et sur quel live, que je n'allais pas invoquer sur Pequan et Janemba, hein, même si je disais au début pour moi-même que j'allais invoquer, mais au final, les portails laissaient tomber. Voilà. Là, toujours dans la pierre bleue, donc à récupérer pour les cash players, hein, si vous voulez le prendre, hein, voilà, le pack F, hein, hein, voilà. Tout simplement, le double festival Dokkan de Goku et Vegeta GT. Voilà, donc les cartes sont vraiment cool à jouer, mais est-ce qu'on en a l'utilité? Enfin, est-ce que pour ma part j'en ai l'utilité? En vrai, pas vraiment. Donc voilà, les deux nouveaux Dokkan Event, voilà, parce que là du coup c'est deux nouveaux Dokkan Event, hein, pour le coup, donc qui ne sont pas greffés sur les SSJ4. D'ailleurs, ce qui est logique, hein, parce que les noms des personnages c'est Goku GT Super Saiyan et Vegeta GT Super Saiyan. Donc voilà. Ensuite, les nouveaux Super Extreme Battle Road, catégorie, hein, enfin, depuis le temps qu'on attendait ça, hein, enfin que... Ouais, parce que même moi, pour ma part, en vrai, j'ai été surpris du résultat de ce matin, de ce que j'ai fait, hein, voilà. No spoil, j'en ai déjà complété 2, hein. on fera ça en vidéo, Enfin, je vous montrerai les runs que j'ai capturés, tout simplement. Et nous avons, alors ça, je vais le faire en vidéo, tout simplement. J'ai peut-être une team qui peut passer, je dis bien peut-être. On verra bien la difficulté de l'histoire sans fin. Et sinon, après, tous les Dokkan Events qui sont ouverts, voilà, tout simplement. Pour farmer les thunes, en vrai, je pense que je vais le faire aussi. Hein, parce que du coup, là, la Zenimonia commence à se faire très très rare sur mon compte. Donc les Battle Z Supreme qui sont ouverts, voilà, pendant toute la durée de la célébration. Donc malheureusement, comparé à la version Jap, on n'a pas de réédition des niveaux, hein, donc c'est un peu bête, mais c'est pas grave. Bah ouais, parce que du coup on se fait amputer de la Pan Abeille qui passe ZTUR, enfin ZLR pardon. Et de Gigi plus Pan et Grand-père Gohan. Donc voilà.
Donc voilà, après, bah ils sont là, hein, les Zent, hein, ils sont là. Hein. Pour ceux qui n'ont pas fait, franchement, c'est vous avez des DS à récupérer. Mais là, pour ceux qui ont fait, bah en vrai, la célébration est en vrai un peu vide. Donc du coup, Battle Royale qui sera bah, début mai. Hein. En fait, tout ce qui est là, pour nous, en termes de contenu, ça va être début mai. Sauf là, les events qui sont ici. Et les Extreme Super Battle Road. Donc voilà, même le... Non, l'histoire sans fin, pardon, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Mais sinon, après, c'est début mai, donc à partir du 3. Donc voilà, on n'a pas grand-chose, parce que du coup, bah voilà, voilà pourquoi aussi j'ai attendu de faire cette vidéo information. Bon, dans les faits, elle va être pas très très longue, hein, parce que là, du coup, j'ai survolé vraiment le menu, en vrai. Parce que pour nous, en vrai, dans la version globale, elle est assez vide. Hein. Là, pour le coup, dans la version globale, c'est assez vide. Donc du coup, bah voilà, hein. À la base, ces deux événements-là n'étaient pas là ce matin, voilà, quand on a checké les infos. Donc voilà, comme ce cher monsieur John Jordan, voilà, tous les vidéastes qui ont fait leur vidéo à 4h du mat ou un peu plus tôt dans la journée. Et il s'avère que nous avons le ZTUR de Goku SSJ4 et de Vegeta SSJ4. Alors là, franchement, là, bien joué à eux d'avoir au moins fait ce move-là, parce que, en vrai, célébration GT, où on n'a pas les éveils de ces deux-là, hein, ça aurait été un peu dommage. Alors là, franchement, en plus, il va y avoir un showcase, les gars. Je vais pas vous dire que vous n'êtes pas prêts, hein, mais vu que je les ai déjà 100%, bon, leurs liens ne sont pas montés. Mais il y a peut-être moyen que par la suite, il y ait un showcase lien 10 de ces deux personnages-là. Parce que ils vont être incroyables. Je pense qu'ils vont être incroyables. Ils ont pas intérêt à nous faire un truc un petit peu merdique, hein, parce que là, du coup, là, je pense que toute la communauté vont leur tomber dessus. Mais ça m'étonnerait en vrai. Mais voilà, moi, à défaut d'invoquer sur les portails, on va faire les deux ZTUR ici. C'est pour ça que je vais fermer les thunes un maximum dans les niveaux de Battle Z. Parce que là, du coup, il manque encore le Goku. Oui, parce que c'est pour ça aussi que j'ai pas fait les tests de Goku et de Vegeta Arc Saiyan, parce que en fait il me manquait les thunes, et là j'ai juste mis Vegeta en ZTUR parce que bah il manque encore les thunes pour Goku. Donc voilà, donc là bah on a des trucs à faire, tout simplement. Enfin, moi sur mon compte j'ai des trucs à faire, donc du coup voilà, hormis tout ce qui est le farming de boue, les ZLR aussi de Freezer et Goku que j'ai laissé en plan encore une fois, mais ça c'est pas grave. Donc voilà ce qui en est. Donc après, ouais, bonus de connexion, donc voilà, on va vérifier vite, hein, de toute façon. Donc là, ça c'est les missions quotidiennes, enfin, missions limitées et quotidiennes, du coup. Donc, une DS par jour, voilà, deux DS par... Enfin, même pas, là, c'est les missions limitées. Donc du coup, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20. 20 DS, ok, pour toutes les missions. Ok, y a pas de problème, non, bien, 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 ok. Moi oui, je dis bien parce qu'au fait au final bah moi j'arrive sur j'arrive sur le bout, hein, pour avoir les 1000 DS pour les 6 ans. Donc du coup, on est plutôt cool. Donc là, la célébration, elle dure quasiment un mois, c'est ça. Donc ouais, c'est ça, ouais, par jour, ça fait 2 DS, on multiplie ça par quoi. Il n'y a pas marqué au total, donc du 27, donc du 28 du coup, ouais, du 28 jusqu'au, ouais, c'est ça, ça fait 22 jours, ouais, moi ça fait 44 DS, hein, je dis pas de bêtises, hein, normalement ça devrait être ça. Donc voilà, et après, ouais, au niveau info, c'est tout ce qu'on a, hein, parce que du coup, événement, voilà, hein, tout simplement, les Extreme Super Battle Road qui sont là, pour l'éveil du Goku, du coup, ça c'est plutôt cool. Sachant que j'ai même pas encore éveillé mon Gohan aussi, hein, parce que du coup, bah les Extreme Super Battle Road en mode monotype, c'est compliqué. Voilà, tout simplement, monotype, j'essayais, hein, j'essaye encore, hein, de les passer, mais des fois ça me casse trop la tête et je me dis, ouais, on verra ça plus tard, parce que du coup, c'est tout ce qu'on a fait. Donc au niveau, nous allons passer directement au portail, hein, puisqu'ils sont disponibles. Au niveau des portails, franchement, les portails ne sont pas dégueux du tout, hein, hormis peut-être deux unités. Alors le Goku, bah excellent, on verra ça directement après. Nous avons qui? Nous avons Goten, qui apparemment est très très bon aussi, hein, donc voilà.
Nous avons bah, le retour de Vegetotech. Hein, voilà, El Famoso. Donc c'est un peu dommage que je puisse pas, enfin que je ne veuille pas invoquer parce que bah, au final, bah, j'aurais bien dit oui à des doublons. Le Goku SSJ4, il manque un doublon, donc c'était pas la priorité sur ce portail. Gohan Ultimate Tech, j'aurais dit oui tous les jours. Le Goku SSJ2 Ange, bah, je l'ai pas 100%, j'ai peut-être un doublon, mais je suis même plus sûr. Donc ça aussi, j'aurais pas craché dessus. Et voilà le troll. Alors lui, c'est parce que du coup, il manque un doublon. Et lui, bah parce que du coup, bah, il est plus... Il... Enfin, même le jour de sa sortie, il était cool le personnage, mais n'a jamais été transcendantal. Donc du coup, voilà. Voilà pour le portail de Goku. Pour le portail de Vegeta, bah c'est pareil, hein. Vegeta qui est vraiment bon. Voilà. Le Trunks qui a l'air d'être bon aussi. Enfin du coup, on verra que c'est une carte duo. Hein. Et du coup, Gogeta, je n'ai pas de doublon. Donc du coup, j'aurais dit oui aussi tous les jours. Vegeta, hein, comparé à Goku, je n'ai pas de doublon. Donc on aurait dit oui. Bah, Golden. Enfin, Freezer Ange. Ah, j'aurais pas dit non à des doublons. Hein. Franchement, je l'ai pas. J'ai pas de doublon. Donc du coup, voilà. Vegeta, pareil. Pas de doublon. Et bah, c'est là où, si j'invoque, mais ça m'étonnerait, hein, que bah, du coup, le Vegeta, bah, je l'ai 100%. Et lui, pareil, hein, Death Rouge. Vous connaissez les bails. Donc, passons directement bah, à l'analyse des cartes. Alors, le Goku, franchement, très très cool. Très très cool parce que du coup, bah, il y a déjà deux catégories, dont une nouvelle, GT Hero, Ki plus 3 et PV, attaque et défense plus 170%. Donc là, franchement, le lead est cool. Voilà, 170%, c'est le max qu'on peut avoir sur des leaders de catégorie actuelle. Hein, je parle hormis le Goku Frieza LR. Voilà, ça, on l'exclut directement. Sinon, c'est 150% de toutes les stats et Ki plus 3 pour la famille de Goku. Donc, ce que le personnage fait, c'est qu'il augmente son attaque. Donc, grandement, pardon, excusez-moi, c'est pour le bruit du casque. Donc augmente grandement l'attaque et la défense pendant un tour et cause des dégâts immenses et réduit la défense, grandement la défense de l'adversaire. Donc on prend, hein, voilà, il n'y a pas de problème, ok. Nous avons quoi d'autre? Sur le passif, pour le passif, attaque plus 180%, défense plus 120%. Change aléatoirement les sphères de ki. Enfin, un type de sphère de ki en un type, enfin, en type rainbow. Et attaque plus 20% quand il fait une attaque spéciale par sphère de ki obtenue. Donc, voilà. Hein. Tout simplement, c'est cool. Attaque plus 20% à chaque sphère de ki pendant une attaque spéciale. Donc, non, le personnage tape. Ah, il tape. Ah, franchement, il tape. Hein. Donc, non, franchement, le Goku. Très très bon attaquant, du coup, hein, Nuker attaquant, donc ça c'est plutôt cool. Et défense plus 50% par... ah ok, oh. Ah oui, donc ouais, alors le personnage, oui. Alors le personnage, c'est là que défensivement, je trouve qu'il est... je vais pas dire qu'il est en deçà, mais pour le rentabiliser, il faut jouer une team full GT, quoi. Donc full GT Hero, donc voilà. Donc il s'exclut, hein, voilà, et dans le même tour. Bah en vrai, au vu de ce qu'on a en termes d'unité entre les LR, du coup SSJ4, entre les SSJ4 qui vont arriver en ZTUR, franchement, non, y a rien à dire, c'est vraiment très très cool. La team sera viable, hein, très honnêtement, la team sera super viable, donc du coup voilà, et encore plus avec la pan GT, enfin la pan AB GT. Elle aura son éveil en ZDR. Hein. Bah après, elle reste encore très très cool hein, sur la globale. Hein. Même moi, je m'en sers encore pour certains events difficiles. Donc voilà. Sinon, l'active skill va arriver. Alors, augmente massivement. Bon, alors c'est pas comme ça, hein, mais bon, bref. Voilà, l'attaque temporairement et cause des dégâts ultimes à l'ennemi. Donc voilà. Et c'est très très simple d'activation. Bon, il faut avoir fait 4 attaques dans le combat. Donc voilà. Hein. Donc mettez-le en full attaque sup. voilà, pour proc l'active skill. Je vais pas dire directement, mais assez vite. Donc voilà. Franchement, la carte est vraiment cool. Passons à l'analyse de Vegeta maintenant. Donc Vegeta, c'est son miroir.
Donc je vais pas récapituler, donc voilà, et sinon GT Hero 170%, on le fait quand même, hein, même si je le fais pas, mais c'est pas grave, et famille de Vegeta 150%, Clip plus 3. Voilà. Alors, lui par contre, c'est. Non, au niveau de l'attaque spéciale, il n'y a rien qui change. Attaque, ok. Oui. Sœur de qui Ah, par contre, Vegeta tapera moins fort parce qu'il a de la défense. Donc voilà, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 20% attaque, Vegeta fait 20% def. Donc en vrai, c'est pas dégueulasse non plus. Hein. J'ai une petite préférence pour Vegeta. Ouais, c'est ça. Par contre, lui, c'est à l'inverse, c'est l'attaque qui est augmentée à 50% dans le tour. Ouais, alors peut-être. Alors, ouais, alors les deux persos se valent, hein, mais moi je pense que comme ça, en regardant, Vegeta pour moi est peut-être plus intéressant au point de vue bah, défensif. Parce qu'il nuque. Bah, après, c'est pareil, hein, faudra lui faire récupérer un maximum de Kirenbo. Mais non, ouais, en vrai, enfin de Kirenbo de Ki en fait. Mais sinon, en vrai, défensivement, le Vegeta est cool tier. Voilà. Très cool tier. Donc, du coup, bah, Active Skill, pareil, hein, je vais pas revenir dessus. Bon, c'est vrai que j'ai pas. Nous avons pas vu les liens. Mais les liens, tout simplement, ça va être. Alors, pour Goku, les liens, ça sera. Alors, Golden Warrior, donc guerrier doré. Ça, il n'y a pas de problème. Super Saiyan. Lignée Saiyan. Je sais plus ce que c'est en français. Voilà. Nous avons quoi d'autre? Kamehameha, GT. Prepare for battle et Fierce battle. Prepare pour battle, je sais plus ce que c'est. Ah, on va y arriver. En français. Saiyan pur, Vegeta Family. Super Saiyan, Worthy Divide, Rebels, on va y arriver, on a plus l'habitude de parler anglais. Giant Head Power, Prodigious Warriors et GT Hero, ok. Ah non, ça pardon, c'est les catégories, au top pour moi. Golden Warrior, Prodigious, Super Saiyan, Ligne Royale, GT, Prepared for the Battle et Fierce Battle, ok. Donc ouais, ah mais si, du coup il rentre en Giant Head Power, alors... Donc du coup c'est pareil pour Goku, on est d'accord. Ouais ouais c'est ça, ouais, Giant Egg Power. Ok, non, bonne catégorie, voilà. Et bah pour terminer, hein, de toute façon on va faire aussi les cartes hors détecteur. Donc du coup on commence par la carte du Goten Gohan, donc du coup qui se trouvera sur le portail de Goku. Alors, GT Hero, alors c'est bien, parce qu'au final, bah on a quand même un petit lead à 120%, même si bah on risque de se faire ouvrir. Hein. Voilà, hein, tout ce qui est Battle Road en super, ça risque de causer problème. Mais bon. Sinon, sur l'attaque, l'aptitude passive, bah nous avons. Enfin, super attaque, on va y arriver, l'attaque SP. Augmente grandement l'attaque et la défense pendant un tour et cause des dégâts colossaux à l'ennemi. Ok. Attaque et def plus 150% quand il fait une super attaque et lance une attaque additionnelle et une chance moyenne de d'être une super attaque tout simplement. GT Hero catégorie allié, donc du coup bah Ki plus 3, attaque et défense plus 40%. Donc on prend, franchement, ouais, ok, GT Hero, ok. Non, franchement, bon support pour la catégorie parce que bah... Je suis désolé, mais attaquer def plus 40% et qui plus 3, les LR là-dedans, ça peut y aller, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, tout simplement. Ouais, le trio GT en plus peut se faire plaisir aussi là-dedans. Très clairement. Donc, Rest Saiyan, du coup. All in the Family, je sais plus ce que c'est. The Saiyan Lineage, Solid Support, Cold Judgment, et GT et Fierce Battle. Donc, ok. Deux liens, c'est correct, hein, franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. D'ailleurs, on va passer sur lui en dernier, hein, voilà. Alors, nous avons là, alors sur le portail de Vegeta, Trunks et Goten, du coup. Bah pareil, hein, GT Hero, hein, voilà, on va pas revenir dessus sur le Leader Skill. Sur l'attaque spéciale, augmente attaque et la défense. Ah, donc un stacker à l'infini, donc comparé à l'autre, ok. Oui, inflige des dégâts colossaux à l'ennemi, Ki plus 3 sur l'aptitude passive, attaque et défense plus 150%. Déjà, il commence avec un bon pourcentage en passif, c'est bien. En plus, attaque plus 40%
quand une attaque, une super attaque est lancée, lance une attaque supplémentaire et ça a une chance moyenne d'être une attaque spéciale. Donc du coup, pour les Goku Family et les Vegeta Family, tout simplement, ça sera Ki plus 3, attaque et défense plus 40%. Très clairement, en GT Hero, ce personnage est bon, mais le truc c'est que faudra orienter la catégorie autour de Vegeta et Goku en fait. Donc voilà, tout simplement. Parce que le pourcentage, enfin le passif on prend, enfin le passif, le bonus support on prend, 40% attaque et def, ok. Mais le truc c'est que si on veut jouer une GT Hero avec comment ça s'appelle, le trio GT ou Gigi, hein, tout simplement, bah ouais, parce que Gigi aussi a son ZTVR, je sais plus si je l'ai dit, ils bénéficieront pas des supports en fait. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, j'irai. Pas point négatif, parce que le personnage a l'air d'être cool et il a l'air d'être bon. Mais point supplémentaire pour Gohan Goten. Hein. Gohan Goten, encore une fois, voilà. On en parle souvent, hein, mais ouais. Et sinon, Metal Rildo, enfin, c'est pas trop tôt, hein, on va dire. Donc, le leader skill assez anecdotique, hein, même si ça peut dépanner en Battlefield. Ki plus 3, attaque et défense, plus PV, plus 90% pour le type puissance. Ok. Super attaque. Enfin, attaque spéciale. Augmente grandement la défense pendant un tour et l'attaque. Oui, c'est ça. Attendez. Voilà, c'est ça. Hein. Augmente grandement l'attaque et la défense. L'attaque, ouais, c'est ça. Pendant un tour. Ah ouais, par contre, il augmente l'attaque à l'infini. Oui, ah oui. Ah oui. Ok. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Cause des dégâts colossaux à l'ennemi et diminue l'attaque. On prend pour les Battle Rod. Ça peut être bien. Défense plus 120%. Au début, oui c'est ça, au début du tour, attaque plus 120% quand une attaque spéciale est lancée, donc voilà. Pour les GT Boss, alors nous n'avons pas encore de leader, donc à voir peut-être pendant la partie 2 qui va y avoir comme LR. En vrai, en boss GT, là comme ça, je verrais bien Omega Shenron, parce que qui de mieux pour représenter les boss de GT. En vrai, à part lui, je vois pas. Là, franchement, je vois pas. Donc, du coup, voilà. Donc, mais ça reste que spéculation. Et du coup, on continue sur le passif, l'aptitude passive. Donc, oui, pour les GT boss, catégorie alliés. Ça vient, désolé. Mais du coup, nous avons quoi ? Ki plus 2, défense plus 40%. Donc, du coup, niveau défense, ça doit se faire plaisir hein, quand même. En plus, attaque et défense plus 60%. Attaque, attaque efficace contre tous les types et chance moyenne de stun. L'ennemi attaqué pour 2 tours. Ah, si c'est un GT Hero en face. Donc voilà. Et récupère 5% DPV à la fin du tour à chaque attaque reçue. Pour une attaque reçue, pardon. Donc, franchement, pour le début du passif, là, voilà. Ici, voilà. Ça, franchement, c'est vraiment cool. Ici, c'est plus, situationnel. Parce que, il faut avoir un GT Hero en face. Tout simplement. Mais sinon, dans les faits, hein, bon support défense pour la future catégorie GT boss, hein, parce que boss de GT, hein, voilà. Donc voilà, quoi dire d'autre? En vrai, c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Ouais, c'est tout ce qu'il y a à dire, parce que là, il n'y a plus grand chose d'autre. Hein. On a fait le tour. Ouais, c'est ça, on a fait le tour, les amis. Donc du coup, vu qu'on a fait le tour, donc passons ici. Et oui, hein, mais là,
Du coup, vous voyez mon stock de DS. Hein. Moi, personnellement, au vu des portails, même s'ils sont intéressants, ça me donne pas envie d'invoquer. Parce que, ah, les 6 ans. Ah, les 6 ans, je les attends. Ah, là, franchement, ah, je veux mon migater. Donc, voilà. Donc, les amis, en espérant que la vidéo information vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu des familles. Parce que ça peut faire plaisir. Hein, voilà, voilà. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Même si en ce moment, c'est vrai qu'en termes de contenu, je propose quasiment rien sur la chaîne. Parce que, au vu de ce que je fais par rapport. Enfin, au vu de ce que j'ai l'intention de faire. Selon le contenu du jeu, hein, parce que du coup, voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Mais là, du coup, il y a quelques vidéos qui vont réapparaître sur la chaîne. Donc, du coup, si vous voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, tout simplement. Donc, voilà, que ce soit pour les nouveaux ou les anciens. Voilà, c'est tout. Pour moi, je vais vous laisser ici. C'était Blitster. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On se donne rendez-vous. À la prochaine vidéo, parce que stream en ce moment c'est un peu galère pour moi, mais je vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, les amis, voilà, c'est tout pour moi. J'ai plus qu'à vous laisser ici. Tchuss tout le monde!